Allez, avec Vincent Clément pour Club 15 TV. Vincent, énorme déception ce soir. Ouais, on est très déçus. On n'avait pas perdu depuis le match contre le Stade Français l'année dernière. Et pour nous, ça nous tient à cœur vraiment de rester invaincus sur notre terrain. Seulement, on est tombé sur une très bonne équipe de Dax, très bien organisée défensivement, qui a su aussi bien profiter des cadeaux qu'on a fait, quoi. Avec 12 points donnés, offerts, comme ça, c'est pas facile après de mettre en place quelque chose et surtout on les met en pleine confiance, quoi. Ils s'accrochent à ce qu'on leur donne et il s'est passé ce qui s'est passé. Vincent, qu'est-ce qu'il a manqué? Vous avez été, je dirais, un peu mou sur le contenu, vous n'êtes pas trouvé comme d'habitude, pas apathique, des fautes de main? Non, déjà il me semble que, enfin je sais pas, il me semble que c'était un match intéressant, quoi. Il y avait des séquences de jeu très longues. Après on a tout tenté, on a essayé de prendre des risques et on est tombé, je dis, sur une équipe de Dax très bien organisée, en défense très très propre, avec une montée agressive. Mais je pense que c'était les deux équipes étaient comme ça, il y a eu deux grosses défenses et on n'a pas trouvé la faille et Dax l'a trouvé avec deux essais casquettes et un autre où on lâche un peu parce qu'on marque pas suite à notre période de domination. Donc je pense pas qu'il nous ait... Voilà, je pense que globalement, on verra la vidéo, mais on a fait un bon match, mais on est tombé sur une bonne équipe et on a fait deux monumentales erreurs. Merci Vincent.